beaucoup d'amour dans ce spectacle. Tu ne m'oublies pas. C'est la légende de l'île oubliée. Et nous avons Aé, Yaurana, Malaba, et Maïva et Totatofa de l'île A, et Mahana Maïtaki. Teite Oa Oa, Noreira Oto, Mato, et Tatofa Oroa, et Mahana Noreira Oto, Mato, et Tatofa Oroa, Yanuitehe, Yaurana et Mamuroa. On raconte aux enfants de France qui existent au milieu de l'océan Pacifique d'innombrables îles réunies sous le nom de Polynésie française. On raconte que les gens là-bas sont très chaleureux, qu'ils aiment chanter et danser tout le temps. Yo!
Thank you.
Thank you.
Le dos droit des mots.
C'est ainsi que le projet fut organisé. Toute la classe partait en voyage à l'autre bout de la Terre, chacun avec l'un de ses parents, tous les deux. Les enfants, la veille de leur départ, imaginèrent leur propre lance de guerrier afin de se préparer au voyage. Personne ne savait ce qui les attendait si loin de chez eux, quelque part, au-delà même des arcs-en-ciel. You find me, oh, far.
Je laisse
océans. Les enfants découvrirent la Polynésie. À la recherche de Motunda, ils eurent la chance de rencontrer beaucoup d'îles et beaucoup de Polynésiens également, tous plus accueillants les uns que les autres. Malheureusement, aucun d'eux n'avait entendu parler de Motunda. Ils arrivèrent au bout de leur périple sur la plus petite et la plus éloignée des îles de leur voyage. Ils irent dormir une seule et unique nuit, lors de laquelle, à nouveau, tous firent le même rêve. La petite île elle-même leur était apparue et leur avait raconté qu'autrefois elle était entourée de deux îles beaucoup plus grandes qui avaient un jour disparu. On racontait qu'en continuant son chemin dans la même direction au milieu de l'océan, on pouvait retrouver l'une de ces deux îles. Ainsi, la compagnie reprit la route dès le petit matin.
Ay, una y te mora, la que hoy me cago.
les habitants de Motuka apprirent aux enfants leur technique pour surfer. Ils les initièrent à la danse et leur présentèrent les deux meilleures danseuses de l'île. Ils organisèrent enfin une très grande fête pour remercier les enfants d'avoir cru en leurs rêves et d'être venus les chercher si loin dans les océans. Mesdames et messieurs, et si on vous disait maintenant que la prochaine danse, les danseuses ne connaissent pas la musique? On vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour Jennifer et Chloé. I'm not.
merci encore et surtout merci les filles pour toute l'énergie que vous me donnez pendant un an de cours. Voilà. Ok. Sur les 60 danseuses que vous avez vues ce soir, vous avez vu 15 enfants qui ont commencé les cours en septembre avec moi, puisque les cours ont ouvert en septembre. J'aimerais que vous les applaudissiez encore très fort, parce que c'est vraiment bien. Parmi les 40 grandes, il y avait aussi 20 débutantes. Donc si on compte bien, c'était 40 débutantes de septembre sur les 60 danseuses que vous avez vues ce soir. Merci de vous rendre compte. Les adultes, on a 4 groupes différents. On a d'abord le groupe Dex, qui était en grande partie dirigé par Chloé cette année. Je voudrais la remercier pour le travail qu'elle a fait. C'est Chloé qui a créé la chorégraphie, créé les déplacements et aussi créé les costumes. Voilà, merci Chloé. On a aussi un cours entièrement de débutantes. Elles étaient 6 cette année. Je trouve qu'en quelques mois, elles vous ont offert de très très belles chorégraphies avec Chloé Stitch à la fin. Nous avons le groupe de Gignac le lundi soir. C'est le groupe le plus ancien, c'est normal, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il existe. Je vous demanderai d'accueillir très chaleureusement les filles de Venel. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.